Ils sont dans la en compète aujourd'hui, on s'entraîne pour l'oral. Je vous présente mon équipe, la caverne. Salut. Allez, un petit zoom, faites pas trop genre, vous êtes... Mumu, Laura, notre leader, Steve Jobs, le pro de l'oral, Isma, Popo. Bonjour. La fille est trop mignonne. Et Brian. Salut les copines. Bon, je vais vous laisser voir en vrai parce que là ils sont trop cadrés là. Ils posent trop devant la caméra. Ils sont pas trop naturels là. Tu sais pas. Tu me floutes la tête. Comme ça. Il est où la mais une barre noire comme ça avec la voix là. Je vous présente une nouvelle youtubeuse sur ma chaîne. Salut les filles, alors moi c'est Isma. Je vous présente ma toute nouvelle chaîne de beauté, Isma la barre. Donc voilà, alors aujourd'hui je vais vous faire un tout nouveau tuto par rapport à mon make-up to the day. Donc aujourd'hui j'ai utilisé le MAC, le Diva, donc c'est le 02 là que vous pouvez voir comme ceci, hein, je ne sais pas si vous voyez, mais voilà. Merci Marcia du réglage. Donc je vais vous faire une petite démo. Hein. Donc voilà. On applique bien sur la... Surtout, il ne faut pas dépasser et mettre un crayon avant. Là je ne l'ai pas, mais je l'ai mis avant, d'accord. Donc voilà. Ensuite... ça sera tout, parce que j'ai pas tout compris. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui, à bientôt. N'hésitez pas à aimer ma chaîne, parce que ça me fait plaisir, et je vous mets tous les liens en barre d'infos, voilà. Bisous les girls. Il y a deux manières de passionner la foule au théâtre, à savoir par le grand et par le vrai. Le grand prend les masses, le vrai saisit l'individu. Et cette maxime va nous guider tout au long de notre réflexion, avec le grand et le vrai. L'oral a quatre fonctions... L'assistante de Karine, le make-up artiste. Tu vas te présenter un peu. Bonjour, moi c'est Léa, donc j'assiste Karine depuis maintenant 2 ans. Donc je le suis partout, sur les shootings, sur les défilés, etc. Et voilà, c'est plutôt cool. Ouais, je suis impressionnée. Il y a un enregistrement. On va porter tous un petit gilet beauty tube, c'est bien. On ira tous les mettre. Je vais vous montrer un petit peu ce qui se passe. Pas mal de conseils beauté complètement appliqués à la vie trépidante de maman. Allez, pas les filles, je vais pleurer. Nous avons ici Delphine, la dire comme de L'Oréal. Voilà, puis après de mon père, c'est un bel, élégant.
Je suis présentatrice, nous avons ici Richard et Elie de L'Oréal. Lavabo. Oh, Wesley. Ce n'est pas de l'urine, c'est juste le lavabo. Le lavabo. Toute l'équipe est en place. Réglage, interview, photographe. On est pris un peu dans la... Les filles, je vais vous présenter quelqu'un que vous connaissez. Hello. Ah, elle est bien la lumière ici. Ça va, hein, on a une bonne super. Très bien. Donc Karim Rahman, expert maquillage chez L'Oréal, make-up designer aussi. J'ai l'honneur d'être à côté de lui d'ailleurs, il est bon, c'est un peu bien, Karim. Et du coup Karim, moi j'avais juste une question pour mes abonnés. Oui. Je t'écoute. Les 5 indispensables make-up quand on est novice. Avant dans sa douche. Alors, à mon avis, une bonne crème hydratante, un anti-cerne au fond de teint, ça fait 2, un mascara. Et on a presque envie de 3, la poudre quand même, parce qu'il faut maîtriser les brillances, ça fait 4, et je dirais, et le baume à lèvres. Voilà, les 5 indispensables. Merci Karim. Merci à toi. Salut. Les amis, regardez ça, on a une trousse entière, un moment, là ça va être le moment de tester, enfin pas de tester, le moment de pratiquer, donc après la démonstration, ça a mis. C'est à nous de jouer. Ici, c'est chez moi, c'est au noir, voilà. C'est à nous de travailler. Ah, j'appelle Wesley. Salut. Wesley, qu'est-ce que tu vas faire, toi? Un maquillage de clown, ouais, moi je te propose ça. C'est ça. Regardez les fils qu'il y avait dedans. Regardez. Regardez. Wow. Incroyable. Est-ce qu'on va repartir avec tout ça à la maison? C'est ma grande question. Oh my god. Bon, promis, je vous montre ça en détail plus tard. Vous les amis, on vient de terminer le tournage. On a fait notre make-up inspiré des astuces de Karim. Donc moi, je me suis concentrée sur mon teint. Je l'ai appliqué avec mes mains. Donc, c'est vraiment top parce que donc, ça permet vraiment de bien unifier le teint. C'est vraiment génial. Et je vous présente, là, on est dans un petit moment de détente, de cocktail, de la porte. Je monte mon badge, vous ne l'avez pas encore vu. Partie ABFM, Beauty Tube. Et donc là, c'est un espace de tente qui est vraiment génialissime, trop beau. Je vous montre. Un petit peu partout comme ça. Là, c'est un bureau avec des miam miam. Voilà, voilà. Regardez-moi ça, cette lumière. Ah, c'est possible. Et donc là, ensuite, vous avez un beau tapis sur lequel je me suis allongée tout à l'heure. Là, un écran. Je me demande si on peut faire quelque chose, toucher. Est-ce que ça me lâche? Ah non, c'est pas tactile. Dommage. C'est pas tactile. Et ensuite, regardez-moi ça, genre le bureau de rêve dans lequel j'aimerais bien m'installer. Tu peux s'accuser ce téléphone. Voilà, un super bureau. Je vais peut-être un peu trop vite. Et encore des miam miam. Il y a des miam miam partout. Je vais vous montrer le grand gâteau, le beau gâteau, spécialement fait pour nous. Je viens d'arriver chez moi, il pleut.
Et j'ai pas le badge pour rentrer. Mon mari n'est pas là. Donc je suis coincée dehors. J'espère qu'il y a quelqu'un qui va venir le sauver. C'était une superbe journée, j'ai appris vraiment beaucoup de choses. Ça a été impressionnant de voir Karim Rahman à l'œuvre. C'est un artiste, cet homme, c'est un artiste. Il parle avec beaucoup de romance au sujet du maquillage. Il a une telle douceur, un tel calme et j'admire. Il a appliqué le fond de teint avec ses mains. Puis il a appliqué comme une crème hydratante en fait. C'était juste impressionnant. Le highlighter avec une crème hydratante, enfin voilà, j'ai tout plein de vraiment de tips à vous raconter. Mais c'était vraiment génial, c'était enrichissant, c'était beau, c'était artistique, c'était voilà. Donc vraiment génial, l'équipe L'Oréal, elle est au top. La production, l'équipe production est au top. Ils sont vraiment tous à côté, ils sont réactifs, ils sont professionnels, ils sont impressionnants aussi. Toute l'équipe technique, je les ai vus travailler, c'est vraiment voilà. Ça y est, je suis rentrée à la maison. Il y a eu un gentil voisin qui est passé, je voulais vous dire. Il y a le directeur, le DG de L'Oréal Paris qui est venu et le directeur marketing L'Oréal également. On a eu ce moment de partage, de discussion et c'est vraiment génial de pouvoir rencontrer ces personnes qui sont les décisionnaires, qui sont les têtes stratégiques. Pouvoir parler avec eux, échanger. Ils ont envie qu'on leur parle, qu'on leur dise des choses, qu'on leur fasse des retours, qu'on leur remonte toutes nos impressions, nos retours positifs ou négatifs. Donc les filles, en fait, c'est un mot pour nous, mais c'est aussi pour vous. Tout ce que vous pensez, tout ce que vous aimez ou dépréciez de chez L'Oréal Paris, tout ce que vous pensez qui devrait être amélioré, ou si vous dites « mais pourquoi il n'y a pas ci, pourquoi il n'y a pas ça, pourquoi ce produit, mais ceci, mais ça me gêne que dans telle boutique, ceci, cela », voilà. Donc n'hésitez pas, on peut aussi être un relais, on peut porter vos messages. Voilà, c'est vous les consommatrices, et c'est à vous de parler, c'est à vous de faire remonter les informations, c'est vous les reines quoi. Voilà, non mais c'est très important et c'est ce que je voulais vous dire. Voilà, sur ce, je crois que j'ai vraiment terminé le vlog pour aujourd'hui. À ce qui paraît, j'ai réussi à faire mon teint. Je le referai avec vous en vidéo. Bisous, ciao ciao.